Dans les métaux, il y a tout un tas de matières. Il y a le cuivre, l'alu, l'acier, l'inox. Chaque matière a sa propre démarche, sa propre, faut l'appréhender d'une certaine manière. Il y a aussi un rapport très physique, donc l'odeur, les outils qui correspondent à chacune de ces matières, et puis l'association de toutes ces matières les unes avec les autres. C'est un peu une composition, c'est une musique, c'est une finition. C'est mon sujet, c'est vraiment mon sujet. Avec le temps, on se rend compte que il n'y a vraiment aucune limite de créativité. C'est une remise en question systématique et tous les jours j'apprends beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi cette matière. En fait, elle m'a choisi, j'ai choisi, je ne sais pas exactement, mais il y a vraiment un rapport d'admiration en fait.